Du coup, on va se bourrer la gueule au château. Fail. Ah ouais? Espérons qu'on n'ait pas une maladie. Quoi? Alors les gars, on est dans un parc d'attractions aujourd'hui, Fantasyland. Ça a l'air trop bien. Il fait froid, mais du coup, il n'y a personne. Genre, il y a 5 minutes de queue, 10 minutes de queue, je crois, max. Donc, c'est cool. Non, je crois 25 pour le plus gros, mais... Mais voilà, alors là on est avec des amis et du coup on cherche où manger. On est dans l'univers steampunk, c'est vraiment incroyable, regardez. Ouais, c'est bien ça, t'es suspendu, t'as vu? C'est des suricates. Bonsoir. On vient enfin de se poser après moult rebondissements parce que nous avons été bloqués par un tractoparo. Ce truc là qui bloque la route. Donc là déjà qu'on vient de monter sur une colline, pas possible. On se dit ah bah ça y est, on est presque arrivé. Eh ben non, il y a ça qui bloque la route. Non mais attends, c'est pas possible. Fail. Voilà les péripéties de la van life. En vrai, c'est ça qui est drôle, tu vois. Ça fait des trucs à raconter. Si tout se passerait bien, ce serait pas drôle. En vrai, ce serait pas l'aventure, tu vois. Faut bien que tout se passe mal dans la vie pour qu'on apprécie les moments où ça se passe bien. C'est-à-dire zéro moment. Je rigole. Et puis, le bon côté, c'est qu'on se rapproche encore plus du château. Oui, c'est vrai que demain, on est censé voir un château qui n'est pas ouvert, d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que tout se passe bien, décidément. Puis ensuite, nous avons été bloqués par des poteaux. Valentin a trouvé un parking, mais on arrive devant, il y a deux barrières pour qu'on ne puisse pas se garer. Donc voilà. On n'a toujours pas de parking. Bon, ça va, il est pas tard. Là, on continue dans une route un peu bizarre, mais on ne sait pas si on va trouver de quoi se garer pour la nuit. On s'enfonce de plus en plus dans les bois. On monte de plus en plus dans la montagne. On se prend des branches dans la tête. C'est pas possible ça. Non.
C'est pas psy du tout, du tout. Bon bah on vous tient juste, on arrive à dormir. Et enfin, on vient de trouver un petit spot au bord du, au bord de la Moselle, et non du Rhin, au bord de la Moselle. Et y a personne. À la fois c'est bien, mais à la fois c'est inquiétant. Espérons qu'on ne soit pas délogé. On va en profiter, maintenant qu'on est posé, qu'on est au chaud, pour débriefer cette magnifique journée au parc d'hier. Donc on était à Fantasyland. Franchement, c'est un 9 sur 10. Il était vraiment bien, ce parc. Pourquoi je regarde pas dans le vide, hein. C'est juste qu'il y a Umberto qui ne veut pas se montrer à la caméra parce que il est gêné. Je suis pas gêné. Il est gêné. Et mais autrement non, franchement vraiment bien, les décors incroyables, la restauration sur place, qu'on a mangé sur place avec nos amis était bon, on va dire classique, et puis les prix étaient pas exorbitants, donc c'était vraiment cool. Temps de faire largement tout ce qu'on a voulu faire. On a refait deux fois deux attractions, ou même ouais, deux ou trois fois, et les zones sont magnifiques. Donc on a passé un vraiment bon moment. On vous a filmé quelques parties avec nos téléphones. On avait décidé de ne pas prendre l'appareil photo. Et puis bah voilà, là on va se poser un peu, parce que quand même on a quand même encore un peu bien roulé et bien avancé. Et puis là on va se poser un petit peu pour pas décompresser parce qu'on n'est pas stressé, mais pour se reposer un petit peu, puis ensuite manger une bonne salade bien fraîche et bien revigorante. Puis nous allons sûrement ensuite nous reposer. On va pas manger une salade. Ah ouais ? Faut s'en dans la prochaine piste. On va manger des pâtes. On va manger des pâtes. Tu connais la vidéo ? La vidéo de ta mec. Qui chante des pâtes ? Non. Ah non, qui danse les pâtes ? Oui, bah oui. Non, non. La vidéo de la dame qui est à Carrefour et elle fait. Mais c'est quand tu découtes. C'est quand tu ouvres ton placard et que tu te rends compte qu'il n'y a pas de pâtes. Et là tu fais ah, et après du coup il y a une musique avec un filtre Shrek qui se déclenche. Et y a la musique qui est... Bon, ça vous ne le verrez sûrement jamais. Si, je vais la montrer, la vidéo. Ok, j'ai le droit. Ça, je suis pas sûr. Vous le découvrirez. Au pire, je mets un lien de la description vers la vidéo. Donc allez en description si vous voulez voir la vidéo que je veux parler. Elle vaut le détour en vrai. Il est temps pour nous de vous laisser et on se dit à la prochaine fois. T'as pas appuyé. De belles petites vignes. Il doit y avoir un vin chez toi. Quoi ? Il doit y avoir du vin au château. Du coup, on va se bourrer la gueule au château. J'espère qu'ils font de la villageoise allemande. Nous voici donc au château de Vizil. Moque-toi. Nous voici donc au château de Cossem. 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 C'est quoi, c'est Cossem ? C'est Cossheim. Cossheim. Non, il a l'air vraiment, vraiment beau. Enquête. Architecture très particulière. Comme vous pouvez le voir, là-haut c'est un donjon. Mais pas n'importe quel donjon. Un donjon rectangulaire. Car à l'époque, ils ne connaissaient que la forme rectangle. La forme ronde n'était donc pas de la partie. Nous arrivons enfin avec 5 poumons en moins. Regardez-moi par contre la vue. Oh là là. Incroyable. Est-ce qu'on voit Sunny d'ici ? Non, Sunny se trouve juste derrière, on va le voir après. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis ? Bon, en fin de compte, on n'a pas visité le château. En vrai, on n'avait pas vraiment prévu de le visiter. Non, on n'avait pas prévu de le visiter, puisque bah, du coup, on avait prévu autre chose aujourd'hui. De base, on devait aller voir un autre château, c'était le château de Hels. Mm. Mais du coup, il est fermé
temporairement et on ne sait pas pourquoi. C'est pas. Bah si, c'est juste. Ou quoi. Si, non, si, non c'est la saison, si, si. Ah bon. Il rouvre en mars, j'ai vu sur le site. Ah, c'est bon. Pour ça, oui. Et du coup, bon, on a décidé, pardon, de voir un autre château qui était sur notre route, mais juste de voir comme ça, pas forcément de le visiter, parce qu'on va visiter plutôt un parc naturel aujourd'hui. Avec des lutins. Avec des lutins, apparemment. On va voir s'il y a des lutins. Et puis en plus, pour celui-ci, je sais pas si on le voit. Pour celui-ci, c'est que des visites guidées. Ouais. Et donc là c'était fermé. Ouais. Et puis là donc c'était fermé et ils vendent des tickets que lorsqu'elle commence et tout, donc on sait pas quand ça commence. Donc voilà, on vous reprend très bientôt pour voir des lutins. J'espère avoir des vrais lutins. J'ai déjà un lutin ici. En plus c'est mon anniversaire. Oui. C'est l'anniversaire du lutin. C'est horrible. On s'est arrêté dans un petit village sous la neige. C'est fou, hein, la différence de température entre le bas, le bord du. J'ai pas envie de dire fleuve, ça doit pas être un fleuve, de la rivière, pardon, et un peu plus haut. Là, on va essayer de chercher de l'eau, c'est notre mission, mais là, on s'est arrêté près d'un stade de foot pour aussi manger. Et on va voir si possiblement il y a de l'eau. On va aller voir là-bas. On vous tient au courant. Bon, bah c'est un échec, on n'a pas d'eau. Bon, faut vraiment qu'on trouve de l'eau, parce que là on en a plus, mais vraiment plus. Enfin, on a de l'eau en bouteille, mais pour faire la vaisselle et tout, c'est pas le mieux. Donc on n'avait pas prévu d'autant galérer à trouver de l'eau. Donc on va voir. Après avoir fait 10 robinets, parcouru toute l'Allemagne, nous avons enfin trouvé de l'eau. Potable, je ne sais pas. Du coup, on vous tiendra au courant si elle n'était pas potable, mais... on a enfin trouvé de l'eau. Dans ce petit... ce petit truc-là. Il n'y a pas de panneau. Et je pense que s'il n'y a pas de panneau, bah... c'est que c'est doit être potable, mais au moins on a pu remplir de l'eau. Franchement, je pense qu'aujourd'hui on a fait 5 points d'eau avant d'en trouver. Ah ouais, j'en peux plus. Vraiment, on a fait toute l'après-midi pour trouver de l'eau sur notre chemin et trop chiant. Allez, on est parti. Bon, bah après, peut-être que du coup on ne sera plus vivant pour la suite de la vidéo parce qu'on n'aura plus l'eau. Non, de toute façon, plus c'est pas de l'eau qu'on boit, mais c'est de l'eau qu'on utilise pour se laver les dents, trucs comme ça, faire la vaisselle. Donc, c'est quand même des trucs qui peuvent contaminer, je pense. Donc voilà. Espérons qu'on n'ait pas une maladie. Ça y est, je crois que je vais laisser Umberto dans la forêt. Il a enfin trouvé son âme sœur. Bon, du coup, voici le petit réconfort de la journée. Je dis réconfort parce que ça a été une galère pas possible pour trouver de l'eau, les problèmes de batterie et tout. On a résolu les problèmes de batterie, ça c'est pas le souci, mais c'est juste que du coup on est un peu en phase d'apprentissage. Ce matin on a branché l'ordinateur et puis bah ça s'éteignait, et du coup c'est que c'est très énergivore, et en plus de ça, ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu le soleil, donc du coup c'est pour ça. Mais on commence à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Donc c'est pas des problèmes, c'est plus des ajustements, et puis c'est aussi parce qu'il fait froid et tout. Donc bon, bref. Donc plein de soucis en vrai, vraiment, genre, c'était... En plus c'est mon anniversaire, donc c'est vraiment un anniversaire de merde. Non, je rigole. Non, je rigole, c'était bien. Mais voilà, le petit réconfort de la journée. Donc ça, c'est des gnocchi avec des lardons. Donc ça, c'est pas des lardons, c'est un petit peu du bacon allemand qu'on a trouvé à Lidl et qu'on a coupé en petits morceaux avec une petite crème fraîche. C'est des amis qui nous ont présenté cette recette et maintenant, on la refait souvent. Donc, big up à eux. Ouais, c'est grâce à eux que je suis content aujourd'hui. Miam, 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 miam.
Non, c'est grâce à moi, parce que c'est mon anniversaire. Non, en vrai, ça va. C'était un anniversaire quand même en road trip, donc c'est cool. En vrai, c'est pas commun, mais... Il y a eu plein de trucs ouais, qui se sont enchaînés, donc c'était un peu chiant, mais ça fait partie des aléas du road trip. Voilà. On va zoomer dans les gnocchis, Berk. Ça donne pas envie comme ça, en vrai. Et là, du coup, on ouvre. Bon, déjà, c'est gelé. Quoi ? J'arrive. Comme je disais ce matin, on était sur la carte Snap. Enfin, je regarde la carte Snap et je me vois avec un bonhomme du coup de neige. Et je me dis, bah, ça se trouve il a neigé dehors. Je regarde par la petite fenêtre, mais du coup, je vois pas trop. Enfin, il a gelé sur les fenêtres, mais je vois que c'est un peu blanc. Et du coup, là, on ouvre. Bon, déjà, c'était gelé la porte parce que bah, tous les matins, il faut un peu forcer parce qu'il a quand même fait un peu froid. Et là, plein de neige. Du coup, ce sera peut-être l'occasion de faire notre suricate des neiges aujourd'hui. Bah pas tout de suite parce que là on va aller manger, mais peut-être aujourd'hui. Le montage là et le rainbow cupcake, c'est même pas un cupcake, mais pas n'importe quel rainbow cupcake, non, des rainbow cupcakes. Alors là, on va visiter des ruines. Notre journée n'a pas été très productive parce qu'on a été toute la journée au McDo. Non, on a été toute la journée au McDo, mais pour monter la vidéo, du coup, l'épisode numéro 2. Je sais pas dans quel épisode apparaîtra cette vidéo, mais voilà. Ce matin, on est en train de monter l'épisode numéro 2. Là, on va visiter du coup des ruines qui sont là-haut dans les bois. Et il y a pas mal de neige aussi. Et si on a le temps avant la nuit, peut-être que ce sera l'occasion de faire un premier défi enfin. Le suricate des neiges. Et tu remarques qu'on pourrait faire aussi de la luge là, mais on va pas faire tous les défis ici. Oui. On sait que je pense qu'il y aura de la neige dans d'autres endroits de notre périple, donc là on va privilégier le suricate des neiges si on a le temps avant la nuit, parce que vraiment à force de manger McDo toute la journée, bah, la nuit elle est vite tombée. Il y a un métro ? Il y a un métro ? Je sais pas, non, je pense. Ah non, c'est le train, tu vois. Oui, il y a un métro pour venir jusqu'aux ruines. Là, il passe sous nous et. Pfff, il va jusqu'à là-haut. Des logos chèvres. Des logos chèvres ? Ouais. Oh, ça veut dire qu'on va avoir des chèvres. Je sais pas si. Attends, le logo chèvre, c'est marqué quoi ? Non, je rigole. C'est raciste. Naturel. Nice. En même temps, ils mettent pas des lettres. Mais si, c'est. Naturelle, Snifad. 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 Pas longtemps. Peut-être qu'on va le voir tomber. Oh, un ragondin. Enfin arrivé aux ruines. En vrai, c'est beau. Hein. C'est magnifique, regarde là. Oh, on est en train de bien souffler parce que on a bien monté. On est beau. Alors, je pense qu'on est garé tout en bas là-bas dans le village. Non, pas. Si ? Non, on a pas monté 10 000 km. C'est pour la fame. Il faut dire que oui, on est garé tout là-bas. On est garé là-bas dans la forêt. Oh ! C'est quoi ? Imaginez, je filme la fin du monde en direct. Enfin, pas en direct du coup. Parce que si je suis en la vidéo et que vous voyez cette vidéo, c'est que c'est pas en direct. Ah, mais c'est beau en tout cas. C'est beau. Thank you.
coup, on va faire notre suricate ici. Alors, on va pas faire qu'un suricate, on va en faire deux. Comme ça, après, dans les commentaires, vous voterez pour le meilleur. Mais on vous les présentera, là, on va le faire vite fait. Enfin, vite fait, mais bien fait. Et du coup, votez pour moi. Berthaud cherche quelque chose pour finir. Tiens, je vais vous présenter le mien. Ah, on voit bien, en vrai, là il y a sa queue, là ses pattes, là son gros corps obèse et sa tête. En vrai, il ressemble bien, j'espère que vous avez voté pour moi. Et donc, comme Berthaud, vite. Il est où, attention. Bien. Attends. Attention, c'est parti. Non. Vite, j'ai froid aux mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait des trucs bizarres. Ah, ouais, c'est ça, c'est sa tête. Alors. Il est pas mal le tien, ouais. Alors, on voilà. Imagine avec eux. En vrai, ça c'est mon suricate des neiges. En fait, je l'ai pas fait debout parce que ça tient pas du ça tout. C'est plus une martre. Oui, mais c'est un suricate. Ouais. Il est très très bien. Bon, bah, vous nous direz alors. Votez pour moi. Des chefs tout à l'heure depuis la ruine, on se demandait où elles étaient, mais là elles arrêtent pas de gueuler. Vous êtes affamés? Vous êtes affamés? En plus, on peut se casser la gueule pour aller les voir. On est en quel mois? On est en quel mois? On est en quel mois? Bah non, on est en janvier. Vraiment pas qu'on tombe pour aller les voir. Oui! Vous avez pas trop froid? Ils sont trop chauds! Il y a encore un point de vue là-haut. Oui, ils l'ont pas chassé. Bon, nous sommes arrivés à Sony, sans encombre, je crois. Alors, attends, il n'est pas encore tombé. Après, il reste 10 mètres de neige. Dans les 10 mètres de neige, il peut encore tomber. Mais voilà, là, on va reprendre la route vers notre prochaine destination, qui est une ville. C'est même plus un village, c'est une ville qui est assez grande. Je sais plus, 150 000 habitants. Je sais plus son nom, mais pareil, on apprendra. Eidenberg, un truc comme ça. Eidenberg. Non. Ah ouais. Il y a trois syllabes. Ah. C'est pas Eidenberg, c'est Eidenberg, un truc comme ça. Edinburgh, un truc comme ça. Bon, on verra bien. Et sur Kathleen. Il y a plus de mur.